Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment faire un classeur pour ranger vos pocket letters. Hein. Donc moi, je m'en étais fait il y a quelque temps. J'ai plusieurs personnes à qui j'en ai envoyé. Et je vous avais promis, en montrant les envois, que je vous ferai un petit tuto. Donc, il vous faut, bien sûr, du carton. Donc, c'est du carton, moi, vous voyez, de céréales. Alors, il faut le couper à 24 par 11,5. Hein. Après, vous prenez une feuille de cardstock. Alors, deux procédures. Si, moi, mon carton est très, très léger. Donc là, j'ai pris du cardstock épais. Par contre, quand j'ai un carton qui est épais, j'utilise les feuilles, vous savez, les blocs qu'on trouve chez Action où il y a les trois couleurs, blanc, craft et noir. J'utilise les feuilles les moins épaisses, hein, d'accord ? C'est ce que vous avez sous la main. Hein. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir donc coller mon carton sur le cardstock. Donc... Voilà. Ah, j'ai oublié de sortir mon pinceau, je suis désolée. Hop. Voilà. Alors, là. Je récupère des vieilles feuilles qui sont écrites d'un côté pour. Voilà. Donc, là, je vais mettre ma colle. Donc, vous mettez ce que vous avez l'habitude de mettre comme colle. Hein. Moi, c'est une colle professionnelle de relieur que je mets parce que je suis une dame dans ma commune qui en vend. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller sur son site. Elle s'appelle Libri & Co. Elle vend hein, sur Facebook. Voilà. Donc, maintenant, j'enlève ces deux feuilles-là. Hop. Et ici, je viens donc coller ma feuille. J'essaye de centrer à peu près pour avoir partout pareil. Donc, vous venez appuyer bien, bien fort. Voilà. Voilà. Donc, je vais enlever l'excédent. Donc, vous voyez, là, c'est du vert. Ben, vous ne le jetez pas parce que ça peut servir pour... des découpes de feuilles de sapin, des choses comme ça. Hein. Donc après, je viens bien appuyer de l'autre côté hein, pour marquer un petit peu où est mon carton. Voilà. Que ce soit très très bien collé. Alors, si vous prenez un papier plus fin, c'est encore plus crucial de bien coller de façon à ne pas avoir de bulles. Donc après, vous prenez soit votre marqueur, ou moi j'utilise ça, vous venez marquer les côtés du carton, d'accord? Voilà. Voilà. Et ici j'ai fait. Donc j'essuie. Donc on vient plier nos bords. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va couper les angles. Alors, je vous montre comment je fais. Je fais pareil avec mes albums, avec mes petits, mes petits carnets. C'est cette dame relieuse hein, qui m'a appris hein, à le faire. Donc, vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Voilà. Donc, après, vous vérifiez. Vous voyez qu'il y en a un petit peu trop. Alors, vous venez découper le surplus. Celui-là, mon cardstock, il est vraiment très épais. Hein. Je pense que c'est au moins du 250 si ce n'est pas du 300. Vous vérifiez, voilà. L'essentiel, c'est que votre coin, parce que là, après, on va venir recouvrir, soit bien net. Hein. Voilà. Donc,
les quatre coins, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à enlever. Un petit peu sur les bouts. Et pas au milieu. Voilà. Voilà, donc on va attaquer le troisième coin. Excusez-moi, c'est mon mari qui fait du bruit à côté. Voilà, oui, là, pareil, j'en enlève un petit peu de chaque côté. Donc cette vidéo, ça fait un moment que je vous la promets, et puis que je n'ai pas pris le temps de la faire. Donc voilà. Et comme Bérangère a présenté sa vidéo, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et je me suis dit là, il faut quand même que je le fasse parce que. Bérangère de la chaîne Evency Scrap parce que je lui en ai envoyé une. Hein? Voilà. Alors celle-ci, vu la couleur verte du papier, vous doutez bien que ça sera sur Noël. Hein? Voilà. Donc maintenant, on va venir coller les côtés, donc toujours coller les grands côtés en premier, bien penser à en mettre le long là, hein. Alors toujours les grands côtés en premier, hein. Hop. Donc voilà. Excusez-moi. C'est une colle qui colle super bien. Par contre, après, on ne peut plus décoller. Elle, elle s'en sert pour refaire des livres. Par exemple, des livres anciens qui ont été très abîmés. Elle refait des couvertures et elle utilise cette colle-là. Même dans le scrap, puisque on a fait des scraps en atelier ensemble, hein, eh bien, elle l'utilise. Moi, en scrap, j'oserais pas l'utiliser parce que ben, quand c'est posé, quoi. On ne peut plus trop revenir en arrière. Voilà. Donc, voyez, l'essentiel, c'est que le coin soit très, très beau. Voilà. Parce que après, on va venir recouvrir. Donc, je vais fermer ma colle. Vous voyez, c'est cette colle-là que j'utilise. Hein. Libri & Co. Donc, je vais vous quitter une seconde, le temps de laver mon pinceau. Parce que sinon... J'ai la chance d'avoir un évier dans ma scrap room, c'est bien. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va venir habiller alors j'ai pris, c'est dans les feuilles 30-30 de chez Action. C'est des blocs de l'année dernière, ça. Hein. Alors. On va venir
mesurer. Donc je mettrai celui-ci, ça sera le dessous. Voilà. Alors, le dessous. Voilà. Donc. Voilà. Et voilà. Donc, ici, et en haut, on va venir le coller comme ça. Donc, je vais ancrer les bords en vert pour pas qu'on voit le blanc, hein, c'est pas très très joli. Voilà. Donc, pour celles qui ne sauraient pas, les mini pocket letters, au lieu d'envoyer une grande pocket letter avec 9 ATC, on en envoie 3. Donc, dans une enveloppe, ça tient. Hein, c'est plus facile à. Voilà. Donc, je vais pouvoir le coller comme ça. C'est un papier qui est très épais aussi, celui-ci. Donc, ça fait. Un classeur qui est bien rigide. Voilà. Voilà. Et de ce côté-là, on va mettre celui-ci. Donc, oui, je vais prendre plutôt de ce côté-là parce que là-bas, c'est le côté où il y a la colle. Donc, je marque et là aussi. Et là, comme ça. Voilà. Là, dans le même sens, tant qu'à faire. Voilà. Donc, je viens ancrer. Voilà. Donc, on va venir le coller comme ça. Voilà. Ça va aller, Alain? C'est bon? Tu l'as Oui, ré... oui, oui. Hop. Voilà. Donc,
là, ça sera l'arrière. Hein. Et pour pas vous remontrer deux fois la même chose, j'avais fait le devant auparavant. Donc voilà comme ça sera. Hein. J'ai fait le devant avec les petits die cut 3D de chez Action. Hein, c'est des restes de l'année dernière. Donc j'en ai mis un qui était dans ce sens-là et un qui était dans la hauteur. Donc je les ai mis en sorte qu'ils viennent juste comme il faut. Donc ça s'ouvrira comme ça. Hein, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer à 1,5 cm. 1,5 cm, je vais marquer en haut et ici 1,5. Voilà. Et là, voilà. Je fais un point à 3 cm, oui, à 3 cm du bord. Et alors attendez, là par contre, il faut que je reste dessus. Je vais mettre à 20. À 20, voilà, 20. 1, 2, 3, 17, c'est là. Voilà. Donc, avec Tu pourras venir, Anna, quand tu veux. Donc, je vais venir percer, mais alors du côté le plus gros, hein, à 1,5. Et hop, surtout que là, il commence à faire sombre. Alors, je viens percer bien mon petit truc bien au milieu. Voilà. Donc, voilà un. Et voilà deux. Voilà. Donc, dessous, je positionne bien, hein, ce qui sera le dos de ma couverture et je viens marquer. Hop. Donc, comment se fait-il que je le vois pas? Ah si, là. Voilà. Hop. L'autre, je le vois. Non. Voilà. Voilà. Donc, je vais passer la main à mon mari qui va venir vous mettre les... Si j'y arrive. Oui. Parce qu'avec la croppe d'ail, on n'est pas très doué. Hein. Donc, tiens, viens là, s'il te plaît. Ça me timide. Ça devrait aller ça. Ouais. Et ça fait. Ouais.
Ben, tu le referas à la pince un petit peu. Hein? J'ai mal fait. Tu t'es pas mis du bon côté? Si, si, mais j'ai mis les tons. Fais voir. Ah oui, ça passe à côté. Oui, bah c'est pas grave. C'est une petite étoile, quelque chose. Oui. C'est quel côté il faut? Il faut le mettre de ce côté-là. Comme ça. Oui. C'est normal que ça marche pas bien, tu te mets pas du bon côté. C'est comme ça que je fais. Ben, c'est dans l'autre côté, c'est dans l'autre sens normalement qu'il faut faire. C'est dans l'autre sens. Ben, c'est comme ça que je fais. Faut mettre la petite boule dessous, voilà. Comme ça? Ouais. Ben, pourquoi tu fais pas? Ben, parce que j'y arrive pas. Donc il t'en faut une autre. Oui, bah t'en avais plus, non? Attends, je les ai ramassés. Ah, c'est de la cordouille. Tiens. Merci. Comme ça. Oui, viens plus par là, pas dans le champ. Tu mets dessous le petit. Non, bah tu le mets à l'envers là. Intimidé. Le monde me regarde. Comme ça? Ouais. Faut persuader. Attends, fais voir. Tourne. Montre-moi. Il faut que tu mettes le petit téton ici, là. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Bon, mais pourquoi tu le fais pas? Mais parce que j'ai pas assez de force dans mon bras. C'est pas terrible. C'est moins beau les autres fois. Oui, ils sont moins bien qu'hier. Bon. Voilà. Voilà. Bon, je vais continuer. Je prends la suite. Donc. Là, on a mis les deux. Donc, on mettra voilà, ça comme ça, les deux trucs. Alors, après, dans une grande pocket letter, vous allez venir couper. Attendez, c'est de ce côté. Oui, c'est bon. Vous coupez juste en dessous l'endroit qui est soudé, on va dire. Hein? Donc, vous coupez tout le long. Voilà. Voilà. Donc, là, ben vous pourrez mettre vos pocket letters et vos petits cadeaux derrière. Alors, moi, ce que je fais pour consolider, c'est que je vérifie ici. On a 1,5 cm. Et ça fait plus que 3. Donc là, ça fait juste la hauteur. Enfin, la peine. Oui, je regarde parce que mon papier est un peu abîmé d'un côté. Ouais, attendez. Hop. Allez, je vais couper. Voilà, donc ici, ouais, j'ai juste la hauteur. Et maintenant, je vais couper à 3 cm. Donc, 3 cm. Et voilà. Et après, je vais venir prendre. Alors, je le plie en deux. Je le plie en deux. Voilà. Comme ça. Et je vais venir le coller. Alors pour ça, je le colle avec un ruban comme ça là. Mais vous pouvez rajouter un petit peu de colle si vous voulez. Hein. Mais bon, ça tient très bien. Donc,
vous positionnez. Voilà. Et vous remettez de la colle de l'autre côté. Voilà. Comme ça, ça renforce le plastique. Là, en plus, c'est celui du milieu. Ça va, mais en haut et en bas, ça ne va pas toujours jusqu'en haut et en bas. Donc, ça permet de... que je le mette bien dans mon sens, voilà. Au milieu. Voilà. Et là, je vais faire mes petites marques au crayon. Au crayon. Voilà. Et là, je perce. Mince. Là, je perce. Peut-être ce côté-là. Et là, je perce. Voilà. Donc, normalement, oui, tout est bien en face. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre nos anneaux. Bon, là, j'ai pas mis des gros anneaux, hein. Mais après... ça doit être des 3 cm, j'ai même des plus petits que ça. Mais après, au fur et à mesure que votre classeur se remplit, ben, vous pouvez mettre des anneaux jusqu'à 60 cm, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Donc ben là, il me reste juste à faire ma pocket letter. Voilà. Ben écoutez, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.